vivant, ton corps partir comme tu veux la venir. D'accord? Marie, tu viens, tu danses un petit peu, là, tu fais tes petits mouvements comme tu vas le proposer. Bonjour, je m'appelle Suzy. Bonjour, moi je m'appelle Annecy. Bonjour, je m'appelle Rosemée. Bonjour, je m'appelle Marie. Merci. Bonjour. Bienvenue à l'atelier La Parole comme ici. Marie, Annecy, Suzy, Rosemée vous livrent à travers cet atelier leur cœur, leurs besoins, leur espoir. Cet atelier a été proposé pour des femmes, des hommes qui ont des difficultés dans la vie. Aujourd'hui, ces femmes sont là pour nous montrer que dans la vie, il y a toujours espoir. Il faut toujours aller de l'avant. Merci. La vie pour vivre allie dans le bonheur comme le malheur, avec le rire et les pleurs, mais le regard à la tête sur les épaules et la main sur le cœur. Dans la vie, il nous sera parfois critiqué et ravissé, et nous sera regardé de haut, mais faudra persévérer pour avancer en gardant la tête en haut. Les amis, nous l'aura plein, Nena ça ou tient, et c'est les loin, et certains nous va esquiver, border parce que ce sera pas des gens bien. Et il y a ceux qui sont devenus des étoiles qui brillent au loin, comme ils gardent mon paysage, à lui-même ils rendent à moi sage, et sur beaucoup de choses, l'aide à moi à tourner la page. Avec son petit horizon bleu, lui fait briller mon yeux. M'y sent à moi heureux, pour ça m'y prie, bon Dieu. Malgré cette m'il a vécu, c'est il fait de moi la personne honorable qui m'y est aujourd'hui. Femme vivante et heureuse. Souffrance. Ma vie ne fait que souffrance. Rares ont été des moments de jouissance et trop nombreux les acteurs de cette souffrance. Je n'ai pas connu l'insouciance de l'enfance. À 13 ans, on m'a volé mon innocence. À moi d'assumer les conséquences. J'ai pris mes responsabilités toute seule. J'ai tout assumé pour fonder mon foyer. J'ai voulu l'amour, la joie, mais la souffrance s'accrochait à moi. J'ai élevé mes 9 enfants, du plus petit au plus grand. J'ai tous indiqué dans la misère et dans la souffrance. Aujourd'hui, je vais vivre, je vais exorciser de toutes ces années de souffrance. Aujourd'hui, je vais vivre, être heureuse, belle, vivante, loin de sa souffrance, libérée, liberté. Orphelin dans la société. Orphelin de la société. Do, do, l'enfant do, chasse marron. Enfants n'a plus maman, n'a plus papa. Tous les jours, ils cherchent ce moment. Les enfants, ils assis sur tes bois, ils réfléchissent, ils demandent ce moment, son papa. Il est en tristesse, ils demandent bon Dieu, le courage, la lumière. Enlève mon tristesse, donne-moi
la joie d'un cœur. Do, do, l'enfant do, chaque marron va s'occaler. Ma besoin, lève mon tête, bon Dieu, écoute mon prière. Enfants, ils pleurent, ils font pitié. Enfants, ils mangent pis. Enfants, là, ils n'ont plus d'espoir, bon Dieu. Donne-lui la force. Bon Dieu. C'est vrai, donne-lui la force, c'est dodo, enfant dodo. Vas-y, encore une fois. Bon Dieu, donne-lui la force. Fais-moi juste cette dernière phrase. Dernière phrase. Bon Dieu, donne-lui la force. Dodo, l'enfant dodo. Chaque marron va s'occaler. Bon Dieu, donne-lui le courage. Enfant-là, les misères. Bon Dieu, donne-lui le cœur. Pour les sauver d'un fait enfants, ne voient plus rien. Enfants, les orphelins. Enfants, les marqués à vie. Enfants, la prend toute décelée. Enfants, ils ne montrent pas sa souffrance. Son cœur est gros. Dodo, l'enfant do, chaque marron va s'occaler. Vas-y encore, quatre fois cette fois-ci. Dodo, l'enfant do, chaque marron va s'occaler. Dodo, l'enfant do, chaque marron va s'occaler. C'était l'atelier. Ici, la parole comme ici, avec Suzy, Annecy, Marie, Rosemée. Franchement, merci les filles. C'est génial ce que vous avez fait. Je suis vraiment, vraiment très, très fière de vous. Et encore merci. Je voudrais dire un témoignage. Si c'est possible. Regarde la caméra. Si aujourd'hui je fais ce slam, c'est pour libérer ma souffrance et puis mon handicap que j'ai. Et cet handicap que j'ai, ça permet à moi aussi de faire le slam parce que j'avais honte de mon handicap. Et aujourd'hui, j'accepte mon handicap et je transmets cet amour aux gens, même qui sont comme moi, il peut guérir aussi à l'intérieur de ce slam. Et je vous remercie. Moi, c'est Rosemée. Je suis une maman de 9 enfants. J'ai 60 ans. J'ai vécu dans la misère et dans la souffrance. Mais aujourd'hui, je suis parmi vous. J'ai envie de laisser cette souffrance derrière moi et vivre, faire une vie, une femme heureuse et s'envoler grâce à cela. Merci. Moi, je m'appelle Annecy. J'ai tellement passé la misère, travaillé comme un Duncan. Sarah Hulot, Rode de Bois. Maintenant,
Je suis heureuse, je suis heureuse. Alors, j'en profite. Merci. C'est Suzy. J'ai 7 enfants, 16 petits-enfants. J'ai veuve, on a 6 ans. Et on ressort avec une poupée maintenant. J'ai deux enfants, mais pour moi, c'est de cœur gros. La souffrance d'avoir fait beaucoup d'enfants, je me retrouvais mon mari mort dans la cuisine. C'était dur pour moi. Je ressortais avec une poupée maintenant, avec 7 mamans. Merci. La vie, il faut vivre. Aller dans le bonheur comme dans les malheurs. Avec le rire et le pleur. Mais faut garder la tête sur l'épaule et la main sur le cœur. Dans la vie, il nous sera parfois critiqué et rabaissé. Il nous sera regardé de haut. Mais faudra persévérer pour avancer en gardant la tête en haut. Les amis, nous nous rappelons la scène tient et celle nous de loin. Et certains nous va esquiver, bordés parce que ce ne sera pas des gens bien. Et il y a ceux qui sont devenus des étoiles et qui brillent au loin. Quand ils gagnent mon paysage, à lui-même ils rendent à moi mon sage. Et sur beaucoup de choses, l'aide à moi à tenir la page avec son petit l'horizon bleu, il fait briller mon yeux, m'y sens heureux pour ça m'y prie, mon Dieu. Malgré ces liens vécus, c'est fait de moi la personne honorable et que m'il est aujourd'hui une femme heureuse vivante.